Lorsque mes parents m'ont mis dans cet avion qui m'emmenait voir mes cousins d'Angleterre, ils m'ont dit ceci. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Et le plus beau, c'est qu'ils avaient raison. Andrew Ryan, permettez-moi de vous poser une simple question. Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington, cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican, cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou, cela appartient au peuple. Pour ma part, j'ai choisi d'ignorer ces réponses. J'ai choisi une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine,
où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Cependant, le phare est éclairé comme jamais. C'est peut-être un accident d'avion. Mais enfin, on est perdu au milieu de l'océan Atlantique. Comment quelqu'un pourrait... Il vaut mieux ne pas traîner ici. Les Crozons arrivent. Comment peux-tu savoir si quelqu'un vient ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Je le sais parce qu'une bâtisse fer descend. Et à moins que le bazar là-haut ait pété et qu'il soit en train de couler bien gentiment, ça veut dire qu'on a de la compagnie. Laissez-moi partir. Je vous donne mon arme. Vous pouvez... C'est à nouveau. Prenez cette radio à Hong Kong, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment vous avez pu survivre à cet accident d'avion. Enfin, les voies du Seigneur sont impénétrables. Je m'appelle Atlas. Et j'ai bien l'intention de vous garder en vie. Allez, continuez. Il va falloir vous faire remonter. Respirez profondément et sortez de la bathysphère. Ne vous en faites pas. Je ne vous lâche pas d'une semelle. Il va falloir la tirer hors de sa cachette. Mais pour ça, vous devez me faire confiance. Oh, my God.
est plus intelligent qu'Einstein et plus fort qu'Hercule. Il lance du feu en claquant des doigts. Êtes-vous aussi fort que mon père, monsieur? Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses. Les papas malins vont toujours au jardin. Vaut pas le coup de se cogner un protecteur. Lâche! T'as toujours été lâche! Tu t'en sortiras pas mieux avec ton gardien de métal, ma petite! Tu finiras par boire la grande tasse! Regarde, monsieur P. Je vois de la lumière qui sort de son ventre. Attends, il respire encore. Tout va bien. Je sais que ce sera un ange bientôt. Vous tenez le coup, l'ami? Le premier plasmide est un sacré choc à encaisser. Cependant, rien de tel qu'une poignée d'éclairs, pas vrai?
chapitre. Je vais te montrer ce que c'est. Je voulais juste un peu de compagnie. Hé, tu sais quoi? J'ai tout mon temps. Le temps s'est arrêté pour moi, alors... Quitte à Ryan, que je suis désolé. Ça n'arrivera plus. Non, mais tiens. C'est ça. Dénoncez-moi. Fumier. Allez. Je me sens... Comment vous parler? D'un mètre dans le mur de Bowater depuis bientôt 3 semaines. Bon, je n'ai pas la prétention d'être Shakespeare, mais je dirige un théâtre respectable, moi. Les gens viennent de Port Neptune après leur travail pour chercher un peu de divertissement, n'est-ce pas? Et tout ce qu'ils trouvent, c'est la puanteur qui s'échappe de vos chiottes. Il faut faire quelque chose. À Héphaïstos pour ton boulot. Imagine ma surprise. Je crois que je vais boire un autre verre. À la santé de Diane McClintock, la fille la plus tarte de Rapture.
Assez idiote pour tomber amoureuse d'Andrew Ryan. Et assez folle pour... Abba Ryan ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais maintenant ! Qui c'est ? Abba Ryan ! Qu'est-ce qui se passe ? Ouvre tout de suite ! Je veux mon attendre ! Jamais ? Où es-tu passé ? Qu'est-ce qui... C'est mon enfant ! À moi ! Je ne peux pas ! Oh là, doucement. Baissez votre arme, je vous prie. Ces petites sœurs transportent Latent, le matériau génétique qui fait tourner les rouages de Rapture. Tout le monde en veut. Tout le monde en a besoin. Vous croyez que c'est une enfant, n'est-ce pas ? Ne vous méprenez pas. C'est une petite sœur, maintenant. Quelqu'un a transformé cette gentille fillette en monstre. Oubliez le bien et le mal. Ces vieilleries qui viennent de la surface. Ici-bas, dans Rapture, ça n'a aucun sens. Sonnez les matines, sonnez les matines. Ding-dang-dong, ding-dang. Oui. Ah!
Napoli. Rossi, à tout. Alerte de sécurité en cours.